Bienvenue à chacun d'entre vous, particulièrement ceux qui viennent peut-être pour la première fois dans cette église. Bienvenue à vous en ce dimanche de la joie, dimanche du Gaudete. Nous sommes en rose. Nous avons aperçu vos sourires devant la couleur un peu inédite, rare. Deux fois par an, nous sommes dans cette couleur. Profitez-en, prenez des photos si vous le souhaitez. Nous entrons dans cette cérémonie avec une attention particulière qui est celle des familles du cathé qui nous ont rejoints particulièrement donc ce matin pour le cathé dimanche. Ce cathé dimanche, nous avons eu la joie de prier ensemble, puis de prier avec les parents, avec les enfants. Nous nous retrouvons maintenant pour célébrer ensemble avec la messe. Avant d'entrer dans cette cérémonie, je vous invite à aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, selon cette tradition de la paroisse, et d'échanger une intention, votre prénom, une intention de prière que nous porterons pendant la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Nous entrons dans cette messe en reconnaissant humblement notre péché. Bien. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, et les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose,
qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia.
selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi ». Pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Si la liturgie aujourd'hui nous habille en rose, ce n'est pas simplement pour égayer le triste violet qu'on porte habituellement dans la période de l'Avent, cette période de 4 semaines qui nous sépare de Noël. Ce rose, c'est le mélange entre le violet de la conversion, de la pénitence, de l'attente, avec le blanc éclatant de fête que nous revêtirons le soir de Noël. Ce rose, vous l'aurez compris, marque pour nous aujourd'hui la moitié de l'Avent. Alors, du coup, peut-être que cette couleur, pour certains, est un encouragement et pour d'autres, un signal d'alarme. Un encouragement pour ceux qui, depuis 15 jours déjà, travaillent, non sans peine ni douleur, à se convertir, à préparer leur cœur à la venue du Seigneur, et qui peut-être commence à trouver le temps long. Et puis pour les autres, un signal d'alarme, parce que, emportés par les occupations de ce mois de décembre, débordant de réunions et je ne sais quoi, ils se sont laissés surprendre, et ils ne sont pas encore tellement rentrés dans cet avant. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la signification pour vous personnellement que revêt cette couleur, et je vous laisse le soin de discerner, quoi qu'il en soit, encouragement ou cri d'alarme, cette moitié de l'Avent, pour tout le monde, est une invitation à être dans la joie. Le Père Thierry, au début de la messe, a parlé d'un nom un peu particulier qu'on donne à ce dimanche, le dimanche Gaudete. Gaudete, ça vient d'un verbe latin, à l'impératif pluriel, qui veut dire « réjouissez-vous ». Nous avons ordre aujourd'hui de nous réjouir. De nous réjouir parce que le Sauveur attendu à Noël est tout proche. Et vous avez entendu, toute la liturgie de la parole invite à cette joie. La première lecture est le psaume
appellent à la joie tous ceux qui se préparent maintenant, depuis que nous avons allumé la première bougie de l'Avent, tous ceux pour qui ce rose est un encouragement. Ils sont invités à la joie, et peut-être que pour ces personnes-là, en ouvrant la porte de leur âme au début de l'Avent, et en commençant à faire le ménage de leur cœur, ils se sont rendus compte, ils ont perçu leur cœur un petit peu comme un désert aride. Ce sont les mots d'Isaïe de la première lecture. Un pays de la soif. Et peut-être encore se sont-ils découverts tout seuls, les mains défaillantes, les genoux qui fléchissent. Peut-être sont-ils aveugles, sourds, boiteux, muets, affamés, enchaînés, accablés, parce que loin du Seigneur. Eh bien, à eux est adressée aujourd'hui cette voix qui crie dans le désert de leur cœur, « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. » La deuxième lecture, quant à elle, on pourrait dire qu'elle vient rassurer tous ceux pour qui ce rose est plutôt un signal d'alarme, tous ceux qui n'ont pas encore pris le virage de cet avant. Eh bien, il est encore temps. Il est encore temps, il reste 10 jours pour dépoussiérer votre cœur. Saint Jacques, qui a écrit cette deuxième lecture, prend l'exemple si parlant du cultivateur. Le cultivateur qui patiemment jalouse sa terre jusqu'à la dernière récolte. À vous, le Seigneur dit, prenez patience vous aussi et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Bref, quelle que soit votre situation, quelle que soit notre situation, nous vivons aujourd'hui toute la tension de l'attente que l'on est appelé à vivre pendant la période de l'Avent. C'est un mystérieux déjà là, mais pas encore. Un petit peu comme un petit enfant qui attend un cadeau très précis à Noël et qui le convoite tellement, qu'il l'a tellement en tête que s'il fermait les yeux, il pourrait presque le toucher. Voilà la période de l'Avent, c'est ce fameux déjà là, mais pas encore. Pour illustrer ça, je suis tombé avant-hier sur une publicité commerciale parmi le flot de publicités qui nous submerge dans cette période de fête et que pourtant d'habitude j'essaye d'éviter. Mais étonnamment, cette publicité, si sans doute elle n'a rien compris à Noël comme toutes les autres, avait cependant tout compris de l'Avent. Certainement inconsciemment, mais avait tout compris de l'Avent parce que le titre c'était « Noël, c'est déjà demain ».« Noël, c'est déjà demain ». On retrouve toute cette tension du « déjà là, mais pas encore ». Si vous voulez, j'avais trouvé le secret de l'Avent entre une perceuse et une tondeuse d'un magazine de bricolage. C'est quand même pas mal. « Noël, c'est déjà demain ». Alors persévérez. Et peut-être réagissez si vous n'êtes pas encore dans cet avant. Et pour ça, il y a l'Évangile, enfin, qui nous propose une figure extraordinaire d'attente. Une figure extraordinaire pour nous accompagner dans cet avant, c'est Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste qui est envoyé par Dieu annoncer la venue de Jésus. Il est cette fameuse voix dans le désert qui crie « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez la route. » Et là encore, il faut prendre garde. Il faut prendre garde parce que ce qui importe, ce n'est pas la voix. Ce qui importe, c'est la parole que transporte la voix. Si vous voulez, la voix est à la parole ce que le souffle est au son. La voix est là pour passer d'oreille en oreille, pour apporter une parole. Et cette parole, elle doit venir descendre dans le cœur de chacun et y demeurer. Sauf que parfois, et on le voit dès le temps de Jésus, on a tendance à confondre la voix et la parole. Plusieurs fois dans les évangiles, on voit des fidèles, des gens qui sont perdus parce qu'ils ne savent pas trop qui est le Messie? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Jésus? On ne sait pas trop parce qu'on confond la voix et la parole. Vous connaissez cette phrase? Lorsque le sage montre le ciel, le fou regarde le doigt.
Alors quand Jean-Baptiste nous indique de préparer nos cœurs pour la venue du Seigneur, ne soyons pas fous, n'écoutons pas, ne regardons pas Jean-Baptiste, mais regardons en avant ce Sauveur qui doit venir. C'est la parole, le Verbe de Dieu qui se fait chair et qui est appelé à descendre dans notre propre cœur. C'est ça le vrai sens de Noël. Alors Saint Bernard, qui est un grand prédicateur du XIIe siècle, Saint Bernard expliquait que, finalement, il y a comme trois venues de Dieu dans le monde. Trois venues du Sauveur dans le monde. La première, la plus connue, c'est celle, il y a à peu près un peu plus de 2000 ans, de la naissance de la Vierge Marie, de ce petit Jésus, dans la crèche. C'est une naissance marquée par la souffrance de la croix, de laquelle va jaillir la résurrection. Cette descente, cette venue, elle est faite définitivement. Il y a une deuxième venue qui est tout à fait connue aussi parce que le Christ lui-même l'annonce. C'est une venue à venir. C'est le retour de Jésus dans la gloire qui marquera la fin des temps. Un jour, le Christ va revenir et nous le verrons de nos yeux de chair et il viendra pour nous emporter avec lui au ciel. C'est une venue qui est marquée par la gloire, la majesté. Et Saint Bernard poursuit avec une troisième venue qui se situe entre les deux et qui est beaucoup plus discrète. C'est la venue que le Seigneur désire faire dans le cœur de chacun, une venue en esprit et en puissance. Saint Bernard nous dit que lors de la première venue, le Christ s'est présenté comme celui qui nous sauve, notre Rédempteur. Lors de la deuxième venue, il se présentera comme celui qui est notre vie. Et dans cette troisième venue, dans notre cœur, il se présente comme notre consolation et notre repos. Et c'est pour ça qu'elle est très importante, cette troisième venue, parce que sans elle, on ne pourra pas accueillir le Sauveur quand il reviendra dans sa gloire. Il faut l'accueillir par sa parole au fond de notre cœur. C'est là le sens profond de Noël. Il faut absolument éviter de vivre ce Noël qui approche dans 10 jours comme simplement le 2019e anniversaire de Jésus. C'est pas ça Noël. Vous êtes-vous seulement demandé pourquoi on s'offrait entre nous des cadeaux à Noël, entre nous, alors qu'on devrait logiquement les offrir au petit Jésus dans la crèche qui vient de naître, ou tout au mieux, tout au plus à ses parents comme un cadeau de naissance, comme on fait quand on a une naissance dans une famille ou chez des amis. Pourquoi on s'offre des cadeaux entre nous? Ben c'est justement pour honorer cette troisième venue du Christ. Le jour de Noël, si je t'offre un cadeau, c'est comme un cadeau de naissance. Parce que dans ton cœur est né un Sauveur, parce que tu as choisi librement, pendant 4 semaines de l'Avent, de préparer ce cœur comme la plus belle des crèches pour recevoir Jésus. Sinon, il n'y a aucune raison que je t'offre un cadeau. Que cela nous fasse réfléchir lorsque nous recevrons un cadeau le jour de Noël. Serons-nous prêts? Aurons-nous ce petit Jésus au fond de notre cœur, dans cette mangeoire qu'est notre cœur? Sera-t-il venu vraiment pour nous? Sinon, nous n'avons pas à recevoir de cadeau. Alors, chers frères et sœurs, que cette Eucharistie que nous vivons aujourd'hui soit l'occasion de persévérer pour les uns et d'entrer véritablement pour les autres dans cette période de préparation à Noël, pour que chacun prépare au mieux son cœur comme la plus belle des mangeoires pour recevoir Jésus. Et pour cela, mettons-nous sous la protection de la Vierge Marie. Vous savez, en ce moment, c'est la première concernée par l'Avent, parce qu'elle est en train de vivre dans sa chair ce mystérieux déjà là, mais pas encore. Elle ne voit pas de ses yeux de chair ce petit bébé qui est dans son ventre, mais elle le sent déjà vivre. C'est ça le mystère de l'Avent. Alors demandons au Seigneur cette grâce de vivre nous aussi ce mystérieux déjà là, mais pas encore, qui doit venir sauver le monde à Noël. Amen.
afin de nous encourager à accueillir Jésus. Nous allons écouter à présent le témoignage d'Alain. Alain qui a eu comme la visite de Dieu ces derniers mois dans son cœur. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Alain, j'ai 67 ans. La maladie de mon épouse a bouleversé ma vie. Les épreuves inhérentes à son état, en même temps qu'elles m'ont fait souffrir, m'ont obligé à reconsidérer ma vie sur un plan pratique et matériel, parce qu'il fallait gérer un quotidien difficile autant que prévoir un avenir qui s'annonçait compliqué. Avec le recul, c'est aujourd'hui seulement que je sais le verbaliser. Je ne me suis jamais senti seul. En effet, face aux tâches et aux épreuves les plus difficiles, je me suis toujours senti habité par un courage qui me dépassait. C'est ainsi que, face à l'ampleur des épreuves qui se présentaient, mon tempérament réfléchi, voire ruminant, s'est effacé pour laisser la place à une providence que je ne savais pas nommer encore. Je ne savais pas la nommer parce que j'étais à l'écart de toute vie spirituelle. Je préfère dire aujourd'hui qu'elle était en sommeil. Ce qui l'a réveillée, c'est vous, vous tous. Mes enfants, Karine et Cédric, chalonnés depuis 17 ans, m'ont donné l'occasion de rencontrer leurs amis. Et nombreux sont paroissiens. Comme ma famille, ils nous soutiennent depuis l'hospitalisation de mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Ce soutien dans la maladie, la souffrance, le décès, puis les obsèques, a été lumineux. J'ai depuis pleuré plus de joie que de tristesse, que de mains tendues, que de cœurs disposés par votre seule attitude. Chers amis, vous évangélisez. À Châlons, j'ai rencontré une communauté fraternelle, d'où jaillit une foi qui est unie, une foi qui conduit les hommes sur le chemin de l'humilité. Cette humilité est la condition qui dispose notre cœur à ce que nous nous devons tous, l'amour. Ainsi, de la profession la plus modeste à la plus élevée, du plus riche au plus pauvre, il a fallu au moins 2 semaines pour que tout le monde me dise « Bonjour Alain ». Immédiatement en arrivant à Châlons, le 27 avril de cette année, je suis allé à la messe chaque dimanche. Même si je ne comprenais pas tout parce que mon éducation religieuse était à refaire et qu'il m'arrivait de trouver le temps long, l'accueil et les chants m'attiraient. Mes enfants m'ont alors encouragé à suivre le parcours Alpha. Je le suis depuis le mois de septembre. Un bouleversement de plus. Alpha m'a bouleversé par les rencontres, la simplicité, la convivialité, l'écoute, la bienveillance et les enseignements qui nous ouvrent à tant de choses. Tant de questions comme « Quel est le sens de la vie ?» J'ai découvert la simplicité de la prière et les bienfaits de la confession. Aujourd'hui, les messes ne sont plus assez longues. Le parcours Alpha m'a permis de connaître des personnes merveilleuses et de vivre une expérience humaine qui dépasse tout notre humanité. Au retour du week-end Alpha, j'ai non pas exprimé le désir de témoigner, mais le besoin. Je viens donc vous dire aujourd'hui que nous pouvons évangéliser parce que nous sommes et que nous devons témoigner de ce que nous vivons en tant que chrétiens, pour que cette lumière qui éclaire une vie et celle des autres ne reste pas sous le boisseau. Je rends grâce à Dieu pour cette naissance et pour cette vie nouvelle qui s'ouvre à moi. Je témoignerai. Je rends grâce à Dieu pour avoir mis sur ma route autant de belles personnes. Jacqueline et Jean-François ont été les premières d'entre elles.
Je les ai rencontrés à l'occasion de Noël 2017. Leur témoignage par leur simple attitude est venu ce jour-là rendre compte de tout ce que me disaient les enfants au sujet de leur vie de chrétien. Et vous tous, ici, avez su prendre leur suite. Merci. Je remercie le Père Thierry de Marsac pour son accompagnement et pour la bienveillance du Père Gabriel, du Père Lépé et de François. Je servirai. Je vous souhaite tous une très belle fête de Noël. Donner ensuite à vos enfants.